Yes. Combien de personnes? Combien de personnes? 3 or 4 around. Before I talk, I need just a microphone. I thought he was two directional and we are three. Oh, okay. At least two. We translate. Yes. So, what is it what he wants to know? Oh. Tu veux savoir quoi? Tu choisis le sujet? Does he. Can you choose the subject? Oui. Oh, j'en ai un en tête en plus. Yeah, he had one in mind just. Ce serait les jhanas. Non. Oh, il pourrait me le faire au moins, au moins qu'il y ait un vrai discours sur les jhanas, pas un truc faux que je vais trouver sur internet. He want, yeah, he would like a real discourse, not something false he would find on internet. I mean, read the book by Ayakeba. Lis les livres d'Ayakeba. Ils sont noirs. Ils sont bien. Ils noirs. Non, c'est pas de notre tradition, c'était son enseignant allemand. Hein? Donc c'est une femme avec Emma. Donc, tu peux lire ses bouquins. Tu veux pas savoir sur le Kamma ou qu'est-ce que tu m'avais dit? Ouais, le Kamma, je l'ai déjà eu. Kamma, je l'ai déjà. Celui, l'audio que je t'avais filé? Ouais. Il s'est dit, Kamma, you already has with the audio you made with when my cousin came here. Yeah. J'ai des questions, mais là je les ai pas. Bon. He has a lot of questions on Kamma, but he doesn't have the question with him right now. Un truc important que je sais pas. Something important he doesn't know yet. So when we talk about rebirth, what is the thing that is rebirth? Donc quand on parle de renaissance, c'est quoi la chose qui renaît? I mean, Christianity, they believe, no, or they used to believe that the soul, that there is a soul, and the soul goes then from one body to the other, or goes, you know, to heaven or to hell. Donc but les, not in Buddhism. Les chrétiens croient, ou du moins ils croyaient, que l'âme à la mort va soit dans au paradis, soit en enfer, ou en tant que fantôme. Mais so what is it exactly? I mean, we were talking about non-self, you know, all the things that we see, all the things that we experience are not self. So I mean, what is that? What is it then that is reborn? Donc c'est quoi qui renaît? Puisque dans la dernière fois on a parlé du concept de non-soi, que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on expérimente, c'est non-soi. Donc, si tout est non-soi, c'est quoi alors cette chose-là qui renaît? The thing or the principle that you can say is reborn is kamma. Donc la chose la plus juste qu'on puisse dire, c'est que ce qui renaît, c'est le kamma. And kamma is as long as attached to the citta. As long as there is a vicha. Et ce kamala, il reste attaché à la citta tant qu'il y a avijja. And the citta, through its intention, creates this kamma. Et c'est la citta qui, par l'intention, par ses intentions, a créé du kamma. It always creates kamma. I mean, when there is intention, and most of the time there is intention, so we create good kamma and bad kamma. Donc elle crée tout le temps du kamma, puisqu'en général il y a tout le temps une intention derrière. Donc la citta va continuer comme ça à créer du kamma, soit du bon kamma ou du mauvais kamma. Even if we don't think about it, and we just go our ways, you know, our habits and character, the ways of our habits and characters, I mean we just do kamma. Donc même si ça on n'y pense pas, et même si on continue juste à garder sa manière d'être, à garder ses habitudes, on continue à créer du kamma. So that kamma
goes, you know, we can say it goes from one life to the other, but actually, I mean, for the principle of karma, there is no one life or the next life. I mean, it just is there as a principle, it just works as a principle. And according to the principle of karma, I mean, we will be born in any of the 36 realms of existence. Donc on pourrait dire que c'est le kamma qui passe d'une vie à une autre, mais en vérité, lui, le kamma, c'est juste une loi et il fonctionne comme ça. Donc ça va juste être le kamma qui va s'exprimer d'une vie à une autre, et c'est en fonction de ce kamma-là qu'on aura des différents renaissances, donc parmi les 36 niveaux différents d'existence. Just like we would throw a ball, and I mean, at the end of the path of the ball, you know, there's a cliff, you know, and then it just hops, you know, it just goes down to the next level, you know. But, you know, for the ball, I mean, there is no this life or next life, it's just rolling. Bon, pour prendre un exemple, c'est comme si, par exemple, on lançait une boule qui roule jusqu'à tomber au bord d'une falaise. Donc on peut espérer qu'elle va avoir une bonne chute et qu'elle va se retrouver à un bon endroit, mais elle, la boule en elle-même, elle fait juste son boulot, elle continue juste à rouler selon ses propres lois. Et c'est comme ça pour le kamma. Il suit juste ses propres règles. So every moment, I mean, we do kamma. And it depends on our habits and character, if you are not mindful, to create this kamma. I mean, if we have learned good ways, we will tend to create good karma. If we have learned bad ways, then we tend to create bad karma, even without thinking, just following our ways. Donc, à tout moment, on crée du karma. Et si on n'a pas sati, donc si on n'a pas cette présence d'esprit, on va juste créer du karma en suivant nos habitudes et notre façon d'être, d'une manière générale. Donc, si par le passé, on a développé des bonnes attitudes et des bonnes actions, on aura tendance à créer du bon kamma. Et si on a pris des mauvaises habitudes et qu'on est habitué à faire des mauvaises actions, on aura tendance à créer du mauvais kamma. Mais ça, on créera du kamma même sans y penser. C'est juste en suivant notre propre façon d'être, tant qu'on n'a pas la présence d'esprit et sati pour observer ça. That's why the Lord Buddha has advised, you know, his disciples to do only the things that create wholesome karma, and to let go, or not to dive into the things that create unwholesome karma. Donc c'est pour ça que le Bouddha a conseillé à tous ses disciples des actions, de faire juste les actions bénéfiques, et de développer ces actions bénéfiques-là. Et pour toutes les actions non bénéfiques, s'en abstenir, ou essayer en tout cas de lâcher prise sur ces actions non bénéfiques et ne pas les faire. So when we are born, I mean, we are already born with habits, and we are born with a character. That is nothing. Habits and character is nothing than kamma. Donc, au moment où on est, on a déjà un ensemble d'habitudes et de traits de caractère. Et ces habitudes-là et ces traits de caractère-là, c'est rien d'autre en fait que le kamma. Everything what we do, whenever we do it more and more often, the same thing, then it becomes first a habit. Later on, if you continue to do the same thing, it becomes an ingrained habit, and finally it becomes our character. Donc plus on va faire quelque chose fréquemment, on va le refaire et on va le refaire, au début ça va être une légère tendance, et après plus on va le faire, ça va vraiment devenir une habitude, et si on s'habitue vraiment à le faire souvent, après ça devient vraiment un trait de caractère. So when we look at our character and, you know, and habits, I mean, and we investigate them, then we probably can see that most of them lead to unwholesome results. Donc si on regarde nos habitudes et nos traits de caractère, si on commence à les investiguer un peu, qu'on les observe, on va regarder que la majorité de nos habitudes et nos traits de caractère nous amènent dans des sont non bénéfiques et nous amènent à des situations non bénéfiques. So I mean, if you just let it pass by, and just that's the way it is, you know. I mean, we will go down. We will go down, you know, and create, you know, a lot of unwholesome karma. Et donc, si en voyant cela, on,
on n'en prend pas note et on se dit bon, ben, c'est comme ça. On va continuer à rouler, à descendre, et on va accumuler ces tendances et on va avoir tendance à créer donc du kamma qui est détrimental. So that that's why the Lord Buddha, you know, really advised us, you know, to train our citta to go the wholesome way. C'est pour ça que le Bouddha nous a vraiment instruit et nous encourage à développer la citta via du kamma bénéfique. I mean, when we looked at the example, you know, of the ball that is, you know, put into motion and just rolls on and rolls off. I mean, that means whatever the ball gets into contact with, you know, does, you know, harm, you know, be it good, you know, be it bad. I mean, all this is stored up. Donc, si on reprend l'exemple de la boule qui roule et qui roule, tout ce que cette boule-là va rencontrer sur son chemin, que ce soit des bonnes choses ou des mauvaises choses, de la poussière ou d'autres choses, mais tout ça, elle va l'accumuler et ça va s'accumuler sur la boule. It's just like putting, you know, when we earn some money, you know, when we do something good, you know, we put it in the bank. When we do something bad, we also store it in the bank. Et donc c'est comme si on prend un autre exemple d'une banque, par exemple, c'est comme accumuler de l'argent à la banque. Et là, c'est pareil quand on fait des bonnes actions, bon, on accumule ça dans notre stock de bonnes actions. Et quand on fait des mauvaises actions, on accumule ça dans le stock des actions bénéfiques. And because we have lived for such a long time, the amount of kamma that we have gathered up is enormous, is huge. Et puisque ça fait longtemps qu'on existe, qu'on passe d'existence en existence, ça fait très longtemps, et donc du coup le kamma qu'on a accumulé selon toutes ces existences-là est vraiment très important. So we have some good kamma stored up, and we have lots of unwholesome kamma stored up. Donc on a quelques bons de kamma bénéfiques qui sont accumulés, mais on a aussi un gros paquet de kamma non bénéfiques. Even if you try very hard in this life and be good, you know, try to be good all our life, that doesn't necessarily lead, you know, to another good life, because of our kamma that is stored up. It can pull us down. It can pull us up. And because of this life, you know, it can lead to another next good life. But sooner or later, we will have to use up what is in our store of karma. Donc, par exemple, dans cette vie-là, même si on va essayer vraiment très fort de faire que du karma bénéfique et de bien se comporter, donc toute sa vie, on va faire des actions bénéfiques. Ça ne veut pas dire qu'à la fin, on sera poussé vers le haut. Dû justement au kamma non bénéfique qui date de nos existences passées. Donc on peut, à la fin de cette vie-là, même en ayant fait beaucoup d'actions bénéfiques, être poussé vers le haut ou poussé vers le bas. Et même dans le cas où on serait poussé vers le haut, où on a une autre existence favorable due au kamma bénéfique qu'on a fait, tôt ou tard, il faudra bien descendre pour consommer le kamma non bénéfique qu'on a fait dans les existences précédentes. So for example, when we listen to Lungdas Mahapur's description, you know, of his life or some of his life, he said, you know, one time I was in heaven, you know, for a certain amount of time, and then once heaven was finished, I was falling down into hell for a certain amount of time, then I was back up into the heaven, and that went on for a few times until he was become. Until he was reborn as a human being, just in this life of a human being, in order to create enough kamma to be for the next few times in heaven and in hell. Donc, si on écoute Longta Mahabua qui décrivait quelques-unes de ses vies passées, lui disait que souvent, donc, il se retrouvait dans l'un des paradis, et puis juste après cette vie-là, il allait directement dans les enfers. Donc il passait un certain temps là-dedans, et à la fin de ses vies dans les enfers, il remontait dans les paradis. Et il faisait comme ça plusieurs allers-retours, et à la fin de ces allers-retours, il avait une naissance humaine. Et donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que juste avec une naissance humaine,
Après, il crée assez de kamma pour repartir à faire son zigzag entre les paradis et les enfers. Donc en une seule vie humaine, on peut créer beaucoup de kamma pour rester plusieurs vies au paradis et plusieurs vies en enfer. So I mean, don't imagine that, you know, I mean, the kamma that you create in this life, I mean, you can use up in the next life. Or the kamma, you know, that you experience in this life is all the kamma that you have. Donc il ne faut pas s'imaginer que tout le kamma qu'on est en train de faire dans cette vie, on l'aura forcément dans la vie suivante. Et pareil, il ne faut pas non plus s'imaginer que tout ce qu'on expérimente maintenant, c'est le résultat du kamma de notre vie juste passée. I mean, we can create in this life, you know, kamma, you know, that pulls us up to heaven for such a long time. Not only one time, you know, but 10 times or 100 times. But also, at the same time, in the same life, I mean, we can create kamma that pulls us down to hell, you know, for several lives. Donc rien que dans cette vie humaine, on peut faire assez de kamma pour, par exemple, se retrouver au paradis, mais pas juste une fois. Ça peut être jusqu'à 10 fois, 100 fois, rien qu'en une vie humaine. Et dans la même vie, faire assez de kamma détrimental, assez de kamma non bénéfique pour se retrouver dans les enfers. Et pareil, plusieurs vies, 10 vies, 100 vies. Even if you have been in hell for a long time, that doesn't mean that all of your bad karma is used up. Et donc c'est pas parce que tu as été en enfer pendant longtemps que ça veut dire que tout ton mauvais kamma, il est expiré. And that the same thing is true for heaven. Even, you know, even if you once for a long time been in heaven, that doesn't mean that all of your good karma is stored up, is used up. Et donc c'est exactement pareil pour les paradis. C'est pas parce que tu es longtemps dans un niveau de paradis que ça veut dire que tout ton bon karma il est expiré à la fin de cette vie-là. Because this kind of karma that you created now, I mean, can lead you in one of the heavenly worlds for such a time. The karma you create, you know, in 2 months or in 2 years or in 10 years or in 2 decades, you know, can lead you to a different level of heaven, you know, for such a long time. And just the same thing with unwholesome karma. I mean, the deed that you do today, you know, sends you to hell in this kind of hell, you know, for such a long time. And tomorrow you do another deed that sends you to a different kind of hell, you know, for such and such a time. Donc par exemple, c'est le kamma que tu fais ici, pardon, le kamma bénéfique que tu fais ici, c'est le kamma qui peut t'envoyer dans un des niveaux de paradis. Mais par exemple, le kamma que tu feras dans 2 mois, dans 3 mois, dans 10 ans ou dans 20 ans, même si ça peut être un autre type de kamma bénéfique qui t'envoie sur un autre niveau d'existence, un autre niveau de paradis. Et c'est pareil avec les graines non bénéfiques qu'on fait. Et le kamma non bénéfique que l'on fait pour aller dans les enfers. Aujourd'hui, par exemple, tu vas faire une mauvaise action et ça te mène dans une sorte d'enfer. Et dans 2 mois, dans 3 mois ou plus tard, tu refais d'autres mauvaises actions, mais qui te mènent à un autre niveau des enfers, à un niveau différent. View, I mean to understand that, view kamma as a seed. A seed. S-E-A. S-E-E-D. Ah. Donc, pour bien voir les choses clairement, et c'est de voir le kamma comme une graine. So I mean, wherever this seed is placed, it can either grow, develop, and ripen, or it cannot, for that time, grow and ripen. Donc, en fonction de où cette graine est plantée, elle va pouvoir se développer et grandir, ou, pour le moment, ne pas se développer et grandir, en fonction d'où elle est plantée. So for this life that we have right now as a human being, only certain grains of karma, I mean, can ripen. Et donc pour cette vie-là actuellement humaine que nous avons, juste quelques-unes des graines peuvent grandir, et donc juste certains karma peuvent s'exprimer dans cette vie-là. I mean, we go a certain path in our life. You know, if we go the path, you know, that is determined by our character and by our habit, you know, and we don't change the way, you know, certain kinds of karma will come up. Donc, dans cette vie-là, si on continue à prendre juste le chemin de nos habitudes et de nos tendances, il va y avoir un certain kamma qui va s'exprimer. This kind of kamma can be really predicted. I mean, it is, you know, as it is written in the stars.
people who are good astrologers, you know, can read, you know, the main things that will happen in your life. Et donc ce kamma-là, si on suit ses tendances et ses traits de caractère, ce kamma-là, il est assez prévisible. Et donc on peut même le voir dans les étoiles. C'est pour ça que les bons astrologues, ils peuvent arriver à prédire le futur de certaines personnes, si elles suivent juste leurs tendances et leurs traits de caractère. However, if you decide in the middle of your path that you don't want to go the path and this path, and you choose to go another path. You know, for instance, you know, I mean, you weren't in the beginning a very spiritual person, you know, and suddenly, you know, you come across, you know, some spiritual people and you're fascinated by it, and then you decide suddenly at a certain point in your life that you want to become also a spiritual person. Then the kamma that would have occurred when you would have just walked the path before will not happen. But other kamma that now on the spiritual path will come and appear. Donc, y a un mais, c'est si par exemple, à partir de maintenant, tu choisis de ne pas prendre la voie de tes tendances et de tes habitudes, et que tu décides de prendre un autre chemin. Si par exemple, à la base, tu n'étais pas quelqu'un de très axé sur la spiritualité, et que tu fais des rencontres, et que tu commences à t'intéresser au sujet, et hop, tu décides de prendre le chemin de la spiritualité, de devenir une personne spirituelle, là, à ce moment-là, tu vas prendre une nouvelle voie, et dans ce nouveau chemin, l'ancien kamma qui s'exprimait si tu avais suivi juste tes tendances et tes habitudes, potentiellement il ne va pas s'exprimer, et par contre du nouveau kamma qui avant ne se serait pas exprimé, va s'exprimer dans cette nouvelle existence que tu as choisie. C'est pour ça que à ce moment-là, on ne peut plus le prévoir. So, for instance, or as an example, you know, if your life, you know, if your character and habits, you know, should choose you a certain way and you walk it along. I mean, it is like you walk through forest, you know, and then sometimes, I mean, you hit some bold rock, you know, and it's for a certain time it is difficult, and then you pass greens, you know, or, you know and so on, and then you pass along a water, and then you go through forest again. That would be the life if you don't change anything, if you just follow your habits and character. Donc, pour prendre un exemple, c'est comme si, par exemple, tu suis un chemin, et que le long de ce chemin, à des moments, tu vas traverser des forêts, ou tu vas te cogner dans des rochers où tu vas avoir des chemins difficiles, puis après tu vas traverser des champs, puis tu vas traverser des cours d'eau, et après sur le chemin tu vas retraverser des forêts denses. Voilà, donc ça c'est un exemple de si tu suis tes habitudes et tes tendances. But now, I mean, in this life, you come to this, you know, you come to this dairy situation where you hit, you know, I mean, you hit just stone and it's hot, you know, and it's a lot of dukkha. And at that point, you decide, I mean, to walk a different path. Then this path could, or in quite a few cases, it will lead, you know, climbing up, you know, a mountain without shade, you know, be it much, much harsher, much more difficult, you know, even crossing the desert, you know, before you reach some greens and before you reach something, you know, that is a comfortable environment where you can relax a little. And then, you know, it goes on, you know, I mean, then you have to cross another desert, and so on, and so on. So, I mean, by choosing that path, you know, I mean, you will face different kind of dukkha, you will find different kind of kamma. And so, I mean, it depends always, at every moment in your life, it depends which path you choose, what kind of kamma will happen. Et donc, si, quand tu refais, si tu, au moment où tu prends ce chemin, au moment où là tu es dans la forêt, tu te heurtes à des rochers, et là tu vas expérimenter de la dukkha, et avec ça tu vas choisir de prendre une autre direction. Par exemple, imaginons que sur cette autre direction, ça va être encore plus dur, donc tu vas passer à travers des montagnes, il n'y aura pas du tout d'ombre, après tu vas devoir traverser un désert, et à la fin de ce premier désert, il y aura un autre désert. Donc si tu suis ce chemin-là, tu vas expérimenter beaucoup plus de dukkha et beaucoup plus de souffrance que si tu avais suivi le premier chemin. Donc c'est un ensemble d'autres kammas qui vont s'exprimer et te revenir.
So I hope this is somewhat clear. That kamma, it does direct our direction. I mean, it directs the direction, you know, of what we're most likely to do. But at any point in our life, we can choose to go a different kind, a different way, a different path. And so, according to the choosing a different path, different kind of kamma will happen. I hope you understand that. Donc Ajahn, espère que c'est un peu plus clair maintenant pour toi ce qu'est le kamma. Donc ce qu'il voulait bien que tu comprennes, c'est que effectivement, si on suit le kamma et si on suit ses habitudes et ses tendances, on va aller, c'est un certain chemin qui est déjà tracé, mais à chaque instant, on a toujours le choix de ne pas suivre ces tendances-là et de ne pas suivre ce kamma-là pour prendre une nouvelle direction. Et à ce moment-là, quand on suit une nouvelle direction, c'est d'autres types de kamma qui vont s'exprimer. Voilà. Ajahn, espère que tu as compris ça. So I hope you understand a little bit of it. T'as compris? Yes. Yeah, it's good. Yeah. The difficulty about kamma is to be able to predict. Donc la difficulté avec le kamma, c'est d'arriver à le prédire. Because it's so complicated that actually only the Lord Buddha himself, you know, could see the kamma, the kind of actions, the kind of results that will happen to a person. Donc c'est tellement compliqué à prédire que il y avait que le Bouddha qui pouvait vraiment voir et comprendre quel type d'action mènerait exactement à quel résultat et quand. And even only very very few of his arahant disciples could see or could predict the karma of a person or of one's own karma. Et juste quelques-uns des disciples du Bouddha des Arahants, juste quelques-uns, certains d'entre eux, pouvaient prédire sur une personne ou sur eux-mêmes, en fonction de tel kamma, vers quoi ils allaient s'acheminer. So I mean, though there are some basic rules for kamma, I mean the kamma that comes on has so many facets, I mean there are so many things that play a part. It is just like, you know, it is even more complicated than predicting some weather. Donc bien que le kamma, il y a quelques principes de base qui sont assez simples et assez compréhensibles, il y a tellement de choses qui rentrent en compte et tellement de facettes différentes lors de la création d'un kamma que ça devient très compliqué à prévoir. C'est un peu parfois comme la... arriver à prévoir le temps comme pour la météo, ça peut être très complexe parce que ça dépend de nombreux facteurs. So the Lord Buddha gave us some simple rules, you know, he gave us some simple examples, you know, of how karma works, you know. But because it is so complicated, I mean, these are just simple examples for us to understand. Donc le Bouddha nous a donné quand même quelques exemples simples et quelques situations pour nous montrer simplement comment le kamma fonctionne. Mais ça, c'est juste pour nous aider à voilà, comprendre les principes, et ce sont juste pour simplifier que le Bouddha a pris voilà, certains exemples pour nous aider à comprendre. It's mostly taken from the sutta, you know, in the Majjhima Nikaya, I mean, there's a sutta about kamma, but I'll explain some. Donc la majorité de ce que Ajahn va expliquer maintenant, ça vient des suttas, donc les discours du Bouddha, surtout dans le Majjhima Nikaya. Donc ça, c'est les discours de longueur moyenne. Et donc voilà, Ajahn il va commenter dessus. So he says that somebody who is in this life generous will in one of his next lives become rich. Donc dans cette sutta là, le Bouddha dit qu'une personne qui est généreuse maintenant à l'avenir sera riche. Another example is a person who serves, who serves with his hands other people, not thinking about oneself, will in the next life, you know, become very beautiful hands. Et donc quelqu'un qui va se rendre un autre exemple, c'est quelqu'un qui va se rendre au service des autres et qui va utiliser pour ça avec ses mains, donc il va rendre service aux gens. Cette personne-là, dans une existence suivante, il aura de très belles mains. And another person who not only serves with his hands, but his whole body, you know, does
only thinks about other people, never thinks about himself. In the next life, he becomes very beautiful. Et une autre personne qui va servir les gens, mais pas juste avec ses mains, vraiment avec tout son corps, qui va servir les gens, et sans jamais penser à lui-même, toujours dans le service, pour le service des autres, cette personne-là, c'est tout son corps qui sera beau. Another person who constantly lies tells in this life, I mean in his next life, he will stink out of his mouth. Et quelqu'un qui constamment ment et ne dit pas la vérité, cette personne-là, dans une existence future, elle aura une bouche qui pue. No, it's I was not sure how to translate it. What? In the next life he will stink out of his mouth. Yeah. Bad breath, yeah. Donc c'est une personne dans une existence suivante qui aura une mauvaise haleine. I mean the bad breath, you know, when you meet people, you know, who have bad breath, I mean you don't want to stay very very long. Et donc la raison, c'est parce que tu vois, quand tu as des gens qui ont vraiment une mauvaise haleine, etc., dès qu'elles vont être au contact, dès que tu es au contact de ces personnes-là, tu as envie d'être loin et d'être éloigné. Tu n'as pas envie d'être à un contact proche de ce genre de personnes. So this person, in the next life, will not have so much chance to tell lies because people just won't listen to it. Donc cette personne-là aura moins d'opportunités dans la vie suivante de continuer à dire des mensonges parce que les gens resteront à l'écart de cette personne-là. Another person who is very angry in this life, who gets angry very easily, I mean in his next life he becomes very ugly. Un autre exemple, c'est quelqu'un qui a beaucoup de colère et se met très facilement en colère dans cette vie-là. Dans la prochaine vie, ce sera quelqu'un de très laid. I mean in German the word for anger, you know, and ugly, you know, has the same root. Et en allemand, le mot pour dire la colère et la laideur, ça a la même racine. So, to put it together, I mean, even in our culture, I mean, we have to say, what is kamma? What you sow, that you will reap. That is kamma. Et donc, pour résumer, même dans notre culture, dans nos cultures occidentales, on a l'expression qui exprime très clairement ce qu'est le kamma, l'expression c'est tout ce que tu sèmes, tu le récolteras. Because that is not enough to tell us, we have another saying. Et comme si ça cette expression suffisait pas, on en a une autre. Don't do unto others what you don't want others to do unto you. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. So I mean that expresses kamma quite clearly. Whatever we do unto others will come back to us. Donc ça exprime le kamma de manière très claire. C'est tout ce qu'on fait aux autres, à un moment nous reviendra. If we are friendly with people, people will be friendly with us. If we are unfriendly with people, people will be unfriendly to us. Si tu te comportes de manière amicale avec les autres, les gens seront amicaux avec toi. Et idem à l'opposé, si tu es rude envers les autres personnes, ils auront tendance à avoir le même comportement envers toi. If you are generous, you know, people will be generous with us. Si tu es généreux, les gens seront généreux avec toi. If you care about people, other people will care about us. Si tu prends soin des autres, les autres prendront soin de toi. If you help others, others will help us. Si tu aides les autres t'aideront. But if you don't help others, et si tu n'aides pas les autres, we don't get any help. Tu ne recevras aucune aide. Nobody will look after. Il n'y aura personne pour prendre soin de nous. So everything, what happens to us, as a conclusion, is what we have done unto other people. Everything. Donc pour conclure, vraiment tout ce qui nous arrive, c'est ce que avant on a fait aux autres. So there is nothing like bad luck or bad fortune. I mean, it's all our own doing. So we cannot blame anybody. Donc il n'y a pas une question de malchance ou voilà, ne pas avoir de chance. C'est vraiment tout ce qu'on a fait, ça vient de nos propres actions. Tout ce qu'on reçoit maintenant, ça vient de nos propres actions.
That is, of course, I agree, you know, that is very difficult to accept in the beginning. But that is how we can learn responsibility. Because if we travel on the spiritual path, we have to first learn be responsible for our own actions. Donc Ajahn comprend que ça, ce concept-là, au début, c'est pas quelque chose de facile à accepter, mais si on s'achemine vers une vie spirituelle, l'une des premières choses qu'on va devoir accepter, c'est la responsabilité. Donc, dans cette vie spirituelle-là, il va falloir qu'on apprenne à être responsable de nos actions. And for us as practitioners, we should be reminded of this saying, or this idiom, or this whatever it is. All the time, don't do unto others what you don't want others to do unto you. Et donc nous, en tant que méditants, en tant que pratiquants, on doit toujours avoir en tête cette expression qui dit ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. And we can use it as practitioner, as a tool to investigate all the things that happen to us and find the root within our heart and uproot it. Et donc, et on peut utiliser en tant que pratiquant, on peut utiliser cette expression pour investiguer tout ce qui nous arrive. Donc, au moment où quelque chose nous arrive, on va l'investiguer avec cette expression, l'investiguer et le déraciner. On va l'investiguer dans notre cœur. Because that, what led to that kind of kamma, is still within our heart. Parce que ce qui a amené à ce kamma à nous arriver, cette graine-là, elle est encore dans notre cœur. This is a habit that led to this kamma. So when the results of this karma come back to us, we can look in our heart and see what kind of habit or what kind of, you know, action led to this karma and then uproot it in our heart. Donc ça, c'est cette habitude ou cette action qui a amené à ce que nous expérimentons maintenant le résultat de ce karma-là. Et donc au moment où on va investiguer ça dans notre cœur, on peut regarder quel type d'habitude ou quel type d'action mène au karma que nous sommes en train d'expérimenter maintenant. But we cannot change our kamma. So, mais on ne peut pas changer notre kamma. Whatever happens to us will happen to us. Donc, tout ce qui doit nous arriver arrivera. So, what the only thing that we can do as practitioners is welcome it, accept it, find the root of it, and root it out. Donc, la seule chose qu'on puisse faire en tant que pratiquant et méditant, c'est le laisser venir. L'accepter, l'investiguer, le déraciner. Okay, I think that is a perfect end. Et Ajahn pense que c'est une très bonne fin pour le discours. Yes. Oh, I mean, if you have any questions, then. Yes. Yeah. Take a lot. C'est marrant pour le truc du les gens qui ont une mauvaise haleine, c'est des gens qui mentent. Ouais. J'étais à l'école primaire, il était au collège avec moi. Ces personnes-là, on l'appelait pastille de menthe. Il se brossait les dents, mais il avait toujours une mauvaise haleine. Et le pire, c'est qu'on n'a jamais trop l'approché, parce que c'était un menteur, justement. Wow. So you were saying it's quite funny the example of when you tell lie in the next birth you have a bad breath, because he knew someone in primary and secondary school that had really a bad breath. And he had a nickname, but whatever, mint candy or whatever. And apparently no one wanted to really to talk to him. And also because he was still a liar. He said he was still a liar. So it was quite funny to see this. And the same thing, you know, I mean, when you meet angry, ugly people, you will see very often that these ugly people still have a lot of anger in them. Donc pareil, si tu rencontres des gens qui sont laids, et tu verras qu'en eux, très souvent, il y a encore beaucoup de colère. Some of them, c'est vrai, ils ont du mal à s'accepter. Il a dit, because it's hard for them to accept themselves. I mean, and everybody, you know, I mean, nobody likes ugly people. Nobody likes angry people. Donc personne n'aime les gens laids ou personne n'aime les gens en colère. So I mean, if you go to a pub, you know, in France, I mean, you see two tables that have empty spaces. At one there's somebody, you know, very gentle sitting on the other there's somebody, you know, choleric, you know. I mean, where do you choose to go? Of course you go to the one who is gentle and smiling and peaceful, not to the one who is, you know. Donc c'est comme, tu vois, si en France tu rentres dans un pub et tu vois qu'il y a deux tables avec quelques places de vide, et à une table t'as quelqu'un qui a l'air
toi, elle est très, très calme, très paisible et très gentille. Et sur l'autre, tu as quelqu'un de très agité, plein de colère, etc. Sur l'autre table, bah, tu vas, en général, tu vas quand même choisir d'aller à la table où il y a la personne apaisante et la personne tranquille plutôt que la personne remplie de colère. We are always attracted to beautiful people. And now we understand why. Because beautiful people give themselves, help other people, you know, serve other people. But of course, because it was the result of their last life, I mean, in this life they can change. And they can become vain or hollow. Et donc, c'est vrai qu'on est souvent attiré par les gens beaux. Et du coup, là, avec cette explication-là, on comprend bien pourquoi. Parce qu'on est toujours attiré parce que ces personnes-là qui sont belles, c'est parce que c'est le résultat de leur karma, parce qu'elles ont servi les autres. Et c'est pour ça qu'on est attiré vers ces personnes-là. Mais elles ont servi les autres dans des existences précédentes. Et donc, ça ne veut pas dire que dans cette vie-là, elles auront gardé ce trait de caractère-là. Parce que, à cause de leur beauté, potentiellement, elles peuvent devenir vaines, devenir vides, devenir, tu vois. It's the same for generous people. I mean, they can start, you know, to become very stingy. Donc c'est pareil pour les personnes qui étaient généreuses avant, qui sont riches maintenant et qui vont devenir, vont être radins. But also, you know, people, you know, with a bad breath can learn. You know, they can learn, you know, I mean, to speak the truth. Or people who are angry, you know, and become ugly. You know, once they realize their ugliness, accept their ugliness, can become people, you know, who change their ways because of the result of their karma. Mais on peut aussi changer dans le bon sens, c'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui a mauvaise haleine, il va apprendre à juste dire la vérité, et quelqu'un, par exemple, qui est moche, donc résultat de ses colères dans les vies passées, il peut apprendre du coup à s'accepter, et en s'acceptant, après, en acceptant ce karma-là, devenir quelqu'un de beaucoup plus paisible et de voilà, diminuer sa colère. Ok. Ok, more question. Yes. Du coup, les bouddhistes, ils croient pas au destin, la chance, la malchance, tout est karma. On prend probablement un exemple, ceux qui vont au casino, qui jouent au jeu de hasard. Il y a toujours des personnes qui gagnent plus que d'autres. Pourtant, les probabilités sont les mêmes pour tout le monde. Il y en a, ils ont le truc. Du coup, il n'y a pas de chance, il n'y a pas de malchance, tout est karma en fait. So we say in Buddhism, so we don't believe in luck, this is lucky or unlucky, and he was talking the example of people who go to casino, and some of them, yes, they win quite more than others, but the probability should be the same. So he was saying, is it everything? So he say everything is karma. Oui. I mean, you can say 99.9% is karma, but the Lord Buddha did not said, you know, I mean, there is some chances. Donc tu peux penser que oui, 99,9% de tout ce qui se passe, c'est vraiment dû au karma. Mais le Bouddha a quand même indiqué qu'il peut y avoir des chances de choses qui se passent et qui ne sont pas dues au karma. Like? You don't know? It's so... I mean, for myself, you know, I took for myself the rule, everything is my karma. And I was always finding. Donc Ajahn, pour sa pratique, lui, il a pris la règle, mais tout ce qui m'arrive vient du karma. Et à chaque fois que quelque chose lui arrivait qu'il a investigué, il a trouvé la racine en lui. Faudrait qu'il m'explique comment trouver la racine. Ah, you would like to know how to find the root in yourself when you have some karma. First of all, you have to accept the karma. Then look at the feeling, you know, that is created, you know, look at that response of your heart. And if you go and investigate this response, not the first time, sometimes. I mean, and then you can find, you know, I mean, you can, when you are very quiet at the heart, you know, after you let this, let the karma happen, you know, accept it, you know, you are at the root of the heart, and there, sometimes, you know, the knowledge arises, what is the cause of. You cannot infer it. I mean, you cannot think about it, you cannot ponder it, you know, what the kind of karma is. I mean, you really have to look at the heart. The heart has to be quiet, and sometimes the answer comes. And you just know it. Ah! And then once you know it, I mean, you go exactly to that caused that trouble, you know, and said, you know, from now on I don't want to do this, because it's unhealthy. Donc pour investiguer ça, hein, tu vas pas y arriver du premier coup. La première chose qu'il faut arriver d'abord, c'est à l'accepter.
D'accord. Donc, quand tu vas avoir du mauvais karma qui va arriver, ça va créer une sensation déplaisante. Et donc, d'abord, la première chose, c'est d'accepter le résultat, accepter de ce qui t'arrive, accepter le résultat du mauvais karma. Et après, en méditation, tu vas, avec cette acceptation, va venir une sensation. Et donc, tu vas investiguer, tu vas regarder cette sensation. Et plus tu vas plonger là-dedans, plus tu vas te rapprocher du cœur. Et si le cœur est très calme, vraiment, il est très calme, et que là, à ce moment-là, la connaissance de quelle était la cause de ce kamma peut venir. Mais c'est pas quelque chose, tu peux pas y penser, ou tu peux pas supposer ou faire des hypothèses. C'est juste quelque chose que le cœur sait, et il a besoin d'être très très calme pour que cette connaissance vienne. Voilà. Et après, une fois que cette connaissance est venue, qui te montre quelle était la cause de ce kamma non bénéfique que tu reçois maintenant, là tu peux prendre la décision de dire, ok, à partir de maintenant que tu comprends vraiment le résultat du kamma que tu as fait avant, tu vas partir de maintenant, je veux plus faire ce type d'action-là. Parce que tu as compris la cause. Ok. Je vais dire... Du coup, ouais, pour les gens, par exemple, qui sont pauvres, quoi que ce soit, qui sont dans la misère, on pourra très bien leur dire, si tout le monde comprend le kamma, sauter d'une falaise, vous aurez une vie meilleure. Mm-hmm. Votre prochaine vie sera meilleure. Pourquoi ? Bah, parce que s'ils ont une vie qui ne leur plaît pas du tout, ils sont tristes, ils sont pauvres, ouais. Leur prochaine vie sera peut-être meilleure, il y a peut-être un autre kamma qui va s'exprimer. Ah. So he said... So if we tell like poor people, so some people are very poor and very unfortunate life. So if we tell them about kamma, then we can also tell them, well, you know, if you really believe in kamma, so just jump from a cliff and your next life, it might be better because it can be other kamma that will express themselves. So just jump. That's his question. I will not do this. We should never, ever tell other people to take their life. Donc déjà, première chose, on ne devrait jamais, vraiment jamais dire à une autre personne de sauter la vie. Because otherwise, you know, in the next life come people and tell you, just jump over the cliff to get rid of something. Parce que là, en résultat, dans tes prochaines vies, mais des gens vont venir et te dire, ah, bah tiens, tu devrais sauter, toi. Tu devrais sauter. You don't want to hear that. Et t'as pas envie d'entendre ça. Non, bah, déjà, beaucoup, peu de monde croit qu'on a une... à l'existence de plusieurs vies. Donc. I mean, you have to be extremely careful. This kind of kamma. You cannot tell, you know, just ordinary people about this kamma. I mean, what you can tell ordinary people is just don't do unto others what you don't want others to do unto you. Yeah. But you cannot tell the poor people, I mean, they are poor because of their kamma, you know, because they were lazy in their last lives, you know, or they robbed other people of their riches, you know, and things like that. You know? Because, I mean, if you steal, I mean, things will be stolen from you. If you cheat, you know, you will be cheated. Things like that will always happen to you. But you cannot tell people who are not on the spiritual path about this. Okay. They don't understand. And they will just get angry. Donc il faut faire attention, du coup, quand on parle du kamma, beaucoup de choses que tu vas pas pouvoir dire à beaucoup de gens sur le vraiment comment fonctionne le kamma. La seule chose que tu puisses dire, c'est voilà, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, etc. Mais si tu rencontres quelqu'un de pauvre, par exemple, tu vas pas lui dire c'est parce que dans la vie d'avant tu as été feignant, ou tu vois, s'il se fait voler, c'est parce qu'avant t'as volé, ou tu vois, si quelqu'un t'est infidèle, etc., tu dis à personne c'est parce qu'on t'a été infidèle avant. Voilà, si tu dis ça à des gens qui ne sont pas sur le chemin spirituel, ils vont pas comprendre, et tout ce que tu récolteras, c'est leur colère. Voilà. Donc il faut faire attention sur les détails du kamma. En général, faut pas aller tu peux pas aller dans les détails avec tout le monde. And also, I mean, that is one thing, you know. The other thing where you should be really careful about is judging for yourself. Seeing a poor person, somebody who needs help. Oh, that is his kamma, I don't help him. Because then the kamma of not helping will come back to you. Et une autre chose à laquelle tu devrais faire attention, c'est de ne pas juger en fait les autres personnes en fonction de ce que tu penses et ce que tu penses être leur kamma. Par exemple, si tu vois quelqu'un de pauvre dans la rue, va dire ah ben non, mais je l'aide pas, c'est juste le résultat de son kamma. Et avoir cette attitude-là, parce que cette attitude-là, c'est ce que tu récolteras toi quand tu auras besoin d'aide. Ben,
n'y aura personne pour t'aider. Mm-hmm. I mean, be careful not to judge other people. Donc fais attention de ne pas juger les autres. Ok. Et, du coup, il disait, le kamma, on arrive à le prévoir, mais on ne peut plus le prévoir si on prend un chemin spirituel. Mm. Du coup, si moi je prends un chemin spirituel et que je le continue, je change mon destin, enfin, on ne peut plus prédire mon kamma, vraiment, je ne prends plus la même route. So you were saying, so you said that if we follow the kamma, it's quite predictable. And if we take, for instance, the spiritual life, then it becomes unpredictable. So we're saying, so in his case, if now he chooses a spiritual life, he's changing his destiny and he's taking an unpredictable another way. I mean, if he could predict it beforehand, you know, I mean, that would change, you know, his prediction. His prediction wouldn't come true anymore. I mean, if he, you know, chooses a middle path, half spiritual life, half worldly life, I mean, then it will be also different, you know. Donc oui, ça change. Et par exemple, si avant de commencer la vie spirituelle, tu avais eu des prédictions, eh bien, celles-là sont plus bonnes. Si tu prends un nouveau chemin, ces prédictions-là vont plus arriver. Et même si tu prends un chemin moitié-moitié, par exemple, tu fais moitié la vie que tu continues mondaine et moitié la vie spirituelle, à ce moment-là, ce sera aussi, tu t'achemines vers encore un autre destin. Can the spiritual path that someone takes be predicted also, or just the worldly? Because you're going against the kamma. You're going against the kamma, you're going against your ingrained habit, so I mean, nothing can really be said. And I mean, don't underestimate it, you know, for most people, you know, who go the spiritual path, it becomes much, much tougher. I mean, some of the people really face really very difficult, bodily problems. I mean, most, quite a few, of the early disciples of Lung Dam Mahabo or other disciples of Lung Phuman, just gave up because of difficulties with their, because of malaria and other kind of, serious illnesses that, their body had to change, but when once they went back, to the normal worldly life. Donc Rich demandait si pour quelqu'un qui est sur la vie spirituelle, on peut prédire son futur. Et Ajahn dit non, parce que là, quand tu prends vraiment ce chemin, en tout cas le chemin du Dhamma et de la vie spirituelle dans le Dhamma, tu vas vraiment à l'encontre de tes habitudes et de tes tendances. Donc du coup, ça devient vraiment imprévisible. Et Ajahn soulignait aussi qu'il ne faut pas sous-estimer aussi le kamma qui va venir dans cette vie-là quand on choisit vraiment une vie purement spirituelle. Et en général, ça peut être du kamma assez dur à recevoir. Par exemple, beaucoup de... Des premiers disciples, que ce soit de Longtha ou des disciples de Longtuman, ils ont eu beaucoup de kamma qui leur est arrivé sur des résultats sur le corps, genre des maladies, genre la malaria, et qui ont dû, c'était tellement dur à supporter pour eux qu'ils ont arrêté, qu'ils ont quitté les robes, ils sont revenus à la vie laïque. Et une fois qu'ils étaient revenus à la vie laïque, tout ce kamma-là, il ne s'est plus exprimé, il est reparti. Donc voilà, donc quand on prend cette voie-là spirituelle, on peut affronter aussi du kamma assez violent au niveau du corps, avoir des maladies, des problèmes corporels qu'on n'aurait pas eu si on suivait juste la vie laïque. Mais pourquoi justement, dans la méditation, c'est bon pour la santé? C'est prouvé ça. So you say, but why? Because it's proof that meditation is good for health. Yeah, I mean it's just good for health, but you don't know what kind of kamma you have. Oui, c'est bon, la méditation en soi-même, c'est bon pour la santé, mais tu sais pas quel genre de kamma tu as en stock. Donc, qu'est-ce qui va être activé? I mean, the kamma that comes back. And the kamma, also, the kilesas love this kind of kamma, because it prevents you going on the spiritual path. I mean, some of it can be created by the kilesas, that make you really your life so hard on the spiritual path. And the moment you choose, let's go back to worldly life, all of this, just disappears like a magic ball. Mais aussi, faut être conscient que les kilesas, ils adorent ces choses-là parce que ce sont des choses qui vont t'écarter du chemin de la spiritualité. Donc, il peut arriver que vraiment, quand t'es à fond là sur le chemin spirituel, t'as comme ça des choses très désagréables qui remontent, etc. Et par exemple, au niveau du corps, ça peut être des maladies ou des troubles corporels.
Et au moment où tu vas quitter la vie spirituelle et tu vas revenir à la vie d'Aïque normale, poup, ça disparaît vraiment comme une bulle. Et donc ça peut être aussi, tout ça, ça peut être manigancé par les kilesas. I mean, the kilesas, they can't choose your karma, no? Okay. But the kilesas are also karma. I mean, they are born of because of your karma. I mean, they create the karma. So. Et du coup, pourquoi, si l'esprit se souvient de tout notre karma, pourquoi on ne se souvient pas des choses mauvaises qu'on a fait justement pour nous changer dans cette vie-là, pour plus continuer nos mauvaises habitudes, pour faire des bonnes choses, pour une bonne direction, pourquoi l'esprit se souvient pas de ça? So, why doesn't the mind, why don't we have a memory in our mind of the bad things we did in the past, because we would learn from it, and so we would know the karma, and we would learn from it, and so why don't the mind remember the bad deeds we did? No. Look at your own life. All what you remember are the good things. Donc tu peux prendre l'exemple dans cette même vie là. Regarde, tout ce que tu vas te rappeler sont les bonnes choses. It depends. If you're trying to practice, then. Yeah, at the moment you try to practice and remember, then all what you see is all the bad stuff that you do. Yeah. Et au moment où tu commences à pratiquer, à méditer, là, toutes les choses qui remontent, c'est plutôt les mauvaises choses, les choses que tu as mal fait, les mauvaises actions. The kilesas don't like to remember, you know, the bad things. Les kilesas n'aiment pas se rappeler des mauvaises choses. They just like to que tu as fait. Ils aiment juste les faire, mais ils n'aiment pas s'en rappeler. Ouais, je suis d'accord, mais l'autre fois je te disais. Rappelle-toi la fois où tu as été heureux. Just look at your life very closely, you know, and you will see a lot of bad things that you have done and you easily forgot. But the good things that you have done, you know, all that happened to you, I mean, you hardly forget. Et donc Ajahn dit que regarde et retrace dans ta vie, tu vas voir, tu vas avoir beaucoup de mal à te rappeler de toutes les mauvaises choses que tu as fait. Mais par contre, les bonnes choses qui sont passées ou que tu as fait, ça va revenir assez facilement. Si, je suis d'accord, mais justement, toi aussi, tu disais, souviens-toi de la fois où tu as été heureux, un vrai bonheur. Essaye de te souvenir de l'avant-dernière fois. Essaye de te souvenir de l'avant-l'avant-dernière fois. Je disais, je ne me souviens pas de ça. Par contre, on se souvient de toutes les fois où on était malheureux. Tous nos chagrins, toutes nos déceptions, toutes nos colères. Tout ça, on s'en souvient. Pourquoi on s'inflige ça? Pourquoi on se fait du mal comme ça? So he was saying, last time he did like a flashback and coming back. Because he wanted to know when is the last time you have been happy, and so that he had difficulties to find. It was when he met his girlfriend, and so and before he really had difficulties to find moment of happiness, but moment where he was disappointed or sad or these are were easy to find. Yeah, I mean that is, you know, because he is a practitioner. Et ça c'est justement parce que tu médites et que tu pratiques. I mean, he should ask his parents, you know, and his father about what kind of bad stuff. Oh, I never did anything bad, you know. Tu vois, si tu demandes par exemple à tes parents au sujet de toutes les mauvaises actions qu'ils ont fait, on dira oh, non, moi je suis pas, j'ai pas fait de mauvaises actions. Ouais, ça. Mais pourquoi on s'affiche ça? Pourquoi on se fait du mal comme ça? À se souvenir, à vouloir avoir du mal à se souvenir des fois où on a été heureux, je trouve vraiment. Je sais, tu vois ce que. Il said. Pourquoi on se fait du mal, c'est ça? Non, j'ai pas oublié, mais j'ai eu du mal à avoir conscience. Quand on médite, nous, on voit qu'on disait, si je demande à mes parents, on me dit, oh non, je me souviens pas de ce que j'ai fait de mal. Nous, quand on médite, on voit tout ce qu'on a fait, mais pourquoi on s'inflige ça, je veux dire? Ah, pourquoi les méditants, nous, on s'inflige ça? Ouais, pourquoi, je veux dire, ouais, pourquoi on se voit tout ce qu'on se fait du mal, pourquoi l'esprit s'inflige ça, tout ce mal-là, tout ce malheur, en quelque sorte. Et c'est si difficile de retrouver les moments de vrai bonheur, de bonnes actions. Mais c'est parce qu'il n'y en a pas de temps. Oui, il n'y en a pas de temps. Ouais, c'est pour ça, en fait. So, he's saying, but why does the mind inflict this to himself? Why does the mind is harming itself? Like, because if he asks to his parents, they will say, oh, I don't remember my bad action. But for him as a practitioner, he can remember quite often, quite well, all the bad stuff, and it's very hard to find the happy moment. And so he was asking, why is the mind is harming himself like this? Are reminding? Yeah, I thought it's the truth. Just no, I mean to see the truth. I mean that is painful for most of the people, or for all of the people. C'est juste voir la vérité qui est douloureuse pour la plupart des gens. I think me before practicing, if someone asks me, oh, how much happiness and
I would have said 50-50 or maybe even more happiness. But when I start practicing, I saw dukkha everywhere. And moi, je disais à Ajahn que si, avant de pratiquer, de commencer à pratiquer, si on m'avait demandé quelle part de bonheur, malheur, tu vois, dans ta vie, j'aurais dit 50-50 ou même plus de bonheur, tu vois. Mais en commençant à pratiquer, non, j'ai vu qu'il y avait une grosse, grosse majorité de dukkha. Je suis d'accord. He agrees. Okay, so. Okay. On peut finir là-dessus. If you don't have okay, j'avais juste une question pour son pratique. He has one last question on his practice. Okay. Bon. Du coup, quand je fais mon investigation justement sur comment dire, l'échec de mon diplôme, déjà je voudrais lui dire que c'est pas un échec, donc déjà je vais l'accepter, mais je dis qu'est-ce que je devrais dire déjà de un ? Qu'est-ce que je devrais dire au lieu de dire j'accepte cet échec ? Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Et ensuite, quand je. Deuxièmement, quand je revois tous les événements ou quoi, j'ai des réponses. Je commence à voir si c'est les kilesas ou si c'est les vraies réponses. Et quand j'ai fini l'exercice, ça me prend 20 minutes, et ben, je vois rien de différent du début à ce qui s'est passé à la fin. Pourtant, j'ai l'impression d'avoir bien fait l'exercice. So, about the investigation of the failure of his diploma. They were saying, okay, John told me to say it's not a failure, but when I try to accept it, I say, oh, okay, I accept this failure. So what else should he say? Yeah, should he say I accept the situation. Donc, au lieu de dire j'accepte l'échec, tu dis déjà j'accepte la situation. And that was his first question. And the second question was, so he did the exercise, looking at the situation, and some answers were coming, but he doesn't know if those answers are coming from the kilesa or not. And so he doesn't know to know what to do with us. And so and at the end of the 20 minutes, yeah. So he has finished, but he has no impression to that things have changed. No. I mean, things are changing slowly. I mean, you know, that this is something that is deeply rooted. You know, I mean, the cause of it is deeply rooted. I mean, you cannot expect that it changes overnight. Now, if these answers are coming, then we question these answers. Until there is no more answer coming. I mean, the kilesas are answering. Said yes because of my laziness, or yes because of this, or yes because of that. And said, you know, and then ask them, what is laziness? Huh? And then, you know, they think a little bit about it. In the beginning, the answers are coming very fast, you know. And our questions have to become, you know, very fast, you know. Undermine the answer. I mean, you can do that with, you know, we are skilled in doing that with other people's arguments, you know, we undermine their arguments, you know, and then even undermine their arguments until there is no more. I mean, you will see, you know, over time it gets slower and slower and slower, you know. I mean, they really have to think very hard, you know, to convince us, because they need to convince us, yeah. But we don't want to get convinced, you know, so each question that they shoot at us, and each answer they shoot at us, you know, we counterattack, you know, until there's no more answer comes. And then the true answer will come from our heart. Donc, faut pas s'attendre à ce que ça vienne tout de suite, hein, la réponse, parce que c'est quelque chose qui peut être très profond, qui peut être vraiment quelque chose d'enraciné assez profond, donc ça va pas venir en une séance ou deux. Donc, il faut là-dessus, il faut que tu sois patient. Au sujet des réponses, oui, les réponses qui viennent, ça vient des kilesas. Et donc la tactique, c'est de questionner ces réponses-là. Par exemple, tu examines une situation et là, les kilesas, ils te disent « Ah oui, mais ça, tu as eu cet échec-là, tu as eu cette situation-là parce qu'il y a eu de la flemme, parce que tu étais feignant. » Tiens, paf, tu contre-attaques, tu fais « Bah attends, c'est quoi la flemme ? C'est quoi le feignant ? C'était quoi la situation ?» Et tu vas questionner comme ça toutes les réponses. Donc au début, les réponses, elles vont venir très vite, parce qu'il y a beaucoup de réponses, et les kilesas, ils vont te bombarder de réponses. Et toi, à chaque fois, tu vas devoir les contre-attaquer avec des questions. Donc ça, on sait très bien le faire quand on argumente avec des gens, pour diminuer la force de leur argument, on est toujours là à les contrer. Mais là, il faut faire exactement pareil avec les kilesas. Tu les comptes pour diminuer leur pouvoir. Dès qu'ils te balancent une réponse, direct, tu la contre-attaques, en la questionnant. Tu questionnes toujours les réponses. Okay. Voilà. Et en faisant ça, avec le temps, les réponses vont devenir de moins en moins fréquentes, parce que les kilesas, ils vont devoir réfléchir, et ils vont devoir penser à des réponses plus sophistiquées pour essayer de te convaincre. Mais nous, à chaque fois, nous, on veut pas être convaincus, on veut pas être convaincus des argumentaires des kilesas, on veut juste savoir. Et donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, même ces réponses-là qui viendront de manière plus espacée et plus travaillée, tu continues à les questionner, jusqu'à ce que ça soit vide, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de réponses,
et que la connaissance de la vraie cause, elle viendra du cœur. Et celle-là, tu pourras pas la question. Voilà. Then, quand les kilesas seront vides. At the last time when they're out of answers, they will open our heart immediately. They will leave for that moment, and then our heart is really empty. Et donc au moment où les kilesas se retrouvent à court de munitions et qu'ils sont vides, vraiment, ils n'ont plus de réponse, là ils vont laisser place, ils vont partir, et du coup le cœur va être vide. Et à ce moment-là, quand le cœur va être vide, là la réponse va jaillir, parce que la connaissance de la cause va remonter. It can appear, it doesn't have to appear. But this kind of investigation, I mean, it's a very important technique for us. Because with this kind of investigation, be it the body or be it any kind of, we can really dive into, you know, because the moment the kilesas give up, we are in apana samadhi. But we have to be absolutely alert, you know, not to believe anything that they say. Instant counterattack, undermine. Is it a way to go to apana samadhi through panya? Like, yes, that is the way, you know, wisdom goes leads to apana samadhi. Et donc cette technique-là, elle est très importante. Donc tu n'auras peut-être pas la réponse qui va venir. Elle ne vient pas automatiquement, la réponse. Elle peut venir ou elle peut ne pas venir, même quand le cœur est vide. Tu n'auras peut-être pas la réponse qui vient. Mais par contre, cette technique-là, elle reste importante pour nous, même pour nous, en tant que bhikkhu. Parce que cette technique de contre-attaquer à chaque fois les kilesas, au moment où les kilesas partent du cœur et laissent le cœur vide, à ce moment-là, on atteint le stade d'apana samadhi. Et donc c'est une manière d'atteindre apana samadhi via... les questions de discernement via la sagesse. Et donc, c'est, par contre, il faut être très alerte, avoir une sati vraiment très vive et très vigilante pour contre-attaquer et ne jamais croire aux réponses envoyées par les kilesas. Et au moment où ils sont vides, là, on peut atteindre le stade d'apana samadhi. Ok. Et donc, du coup, what is it that we're talking about? Which technique? Because I didn't... Investigation. The thing Juris was asking about. Yeah, I mean, asking questions. Whatever I said, whatever you investigate, if you investigate it with wisdom, I mean, be it the body, you know, be it a feeling, be it an emotion, you know, when you question it, you know, what's it, you know, what, question it, and the answers shoot out, you know, then you question these answers, undermine the answers. You know? Yeah. The moment you know, why do I want to give up now, for instance? You know? And then, you know, I mean, then really battle them until they are out of their wits. I mean, you completely outwitted them. That moment you have outwitted them, I mean, they will leave you. And you just fall into the emptiness. Et donc ça, ces techniques-là, ça vaut aussi pour le, quand on investigue n'importe quoi. Et ça peut être aussi le corps, les sensations, les pensées. N'importe quel type d'investigation, quel que soit le... Bad situations in the past. It doesn't matter. It doesn't matter what you investigate. Yeah, no, but I just wanted to. It sounded interesting what he was investigating. I just was wondering. What he was investigating, his situation of failure. He failed his diploma. So we look at his diploma. So to look at, to what? To look at bad feelings or? No, to look at the situation. And then he said, "You know, if you are, I mean, didn't you listen?" Yeah, but I didn't. I didn't understand why he was looking at. It doesn't matter why he was looking at. I mean, the principle is that what matters. Right. But I mean, should I look at some bad situations? I mean, you can look at some bad situations, you can look at your laziness, you can look at, you know, unwillingness, you can look at anything. Yeah? No. I mean, that's why I said it's a general technique, you know. Wisdom develops samadhi. It's a way, you know, investigate, you know, I mean, to investigate certain things, you know, certain hindrances, certain obstacles, you know, or even, you know, when you investigate the body, I mean, you can rush, really rush into the apana samadhi by really, really diving in. Donc, Ajahn disait que ça, c'est valable pour n'importe quel type d'objet que tu investigues, donc le corps, les sensations, les pensées, peu importe l'objet. La technique restera la même. Chaque fois que tu questionnes l'objet, par exemple, tu es en train d'investiguer le corps, tu questionnes le corps, c'est quoi cette partie du corps? Et toutes les premières, dès que les premières réponses, ne jamais y croire et toujours re-questionner. Et à chaque fois, dès que les kilesas, tu les mets à bout, à court de munitions, dès qu'ils n'ont plus rien, plus de réponses, là, ils laissent place. Et là, c'est un excellent moyen de rentrer en apana samadhi. Voilà. Okay. Donc c'était Longta wrote a book
wisdom develops samadhi. I haven't translated it, but that, you know, I mean, because I had the same experience, you know, I mean that. Parce que Longta et Ajahn, ils partagent la même expérience là-dessus. C'est une expérience où on dit que c'est, parce que d'habitude on dit que c'est samadhi qui développe panya, ça veut dire la sagesse. Mm-hmm. Mais là c'est l'inverse, c'est la sagesse qui développe le samadhi. C'est par la sagesse, c'est par le discernement que tu vas développer ton samadhi. Ça je savais pas. Voilà. Ok, donc vraiment ouais, comme si tu étais un homme politique d'un parti et les kilesas c'était l'autre parti quoi. So it's like if you were a politician and the kilesa and the opponents and you. Yeah. Oui. Okay. Until your opponent runs out, you know. I mean, then he, you know, I mean, the opponent in the politics probably gets angry and throws eggs at you, but you know that the kilesa is just withdraw. Donc jusqu'à ce que ton opposant fuit, tu vois. Bon, les politiques en général ils fuient pas, ils se mettent en colère, etc. Mais là, les kilesa ils partiront. Ok, ça marche. Et du coup, pour conclure. To conclude. Des fois, il me disait, je te souviens de, rappelle-toi, la fois où tu as eu la réponse, ok, quel état ça t'a mis. Puis tu reviens en arrière, donc les fois où tu as travaillé, si tu as eu de la peur ou quoi pendant la dernière semaine, les fois où tu étais en cours, comment ça s'est passé, les fois où tu étais chez toi, donc je refais le mécanisme en arrière, tac, 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 je reviens. Et des fois, entre temps, quand je reviens assez en arrière, pouf, il y a un truc qui apparaît, une pensée, un souvenir qui revient et qui vient s'interférer entre deux trucs. Du style, par exemple, une pensée que j'avais complètement zappée, quoi. Ouais. Par exemple, au moment où j'ai reçu le résultat, ouais. Là, tac, je me souviens de ça. Après, je me souviens des dernières semaines où je révisais. Ouais. Je reviens, par exemple, là où j'étais chez moi en train d'apprendre de rien faire. Ouais. Et pouf, j'ai un souvenir qui vient se mettre, mais... Ah, d'une situation quand tu as reçu le diplôme, par exemple. C'est ça, ouais, voilà, quand tu as reçu la réponse. Ok. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est important? Est-ce qu'il y a de l'investigation à faire? Est-ce que c'est des kilesas? So he was saying, you know, when he goes back in time. So let's say he's investigating the situation when he knew that he doesn't have the diploma. Then he goes back in time the last 3 weeks of work, and then he goes back in time in the situation when it was at home, like not doing anything or what. And when, for instance, he was investigating here the last situation, some memories. That, yeah, he didn't remember before, but they just come out, but from another situation earlier. Well, what should he do with this? He just let them pass, okay. I mean, these memories will come up, you know, and I mean, all these memories, you know, will show you actually, you know, sooner or later you will understand the path that you have taken. Donc, laisse-les venir, ces trucs-là, mais laisse-les passer. C'est Et c'est bien qu'il y ait des souvenirs que tu avais oubliés qui remontent. Et tu vas voir que progressivement, tous ces souvenirs-là, ils vont commencer à prendre forme et à te montrer le chemin. The more often you travel backwards, and, you know, I mean, you will see more, you know, I mean, more detailed information. You know, I mean, it is like a puzzle. In the beginning, I mean, you just have corners, you know, and then you fill in, you know, there is a piece, but you still don't understand the puzzle. But the more you fill in, I mean, suddenly, you know, when the picture becomes, you know, the puzzle is complete, oops, you understand instantly. Donc plus tu fais cet exercice d'avant en arrière, de revenir sur la situation d'avant, avant, en fait, ça va être comme un puzzle. Au début, tu vois, tu avais une pièce là, hein, et puis plus ça se remplit, hein, tu commences à voir l'image, et hop, et là, tu vas vraiment comprendre. Donc c'est vraiment comme remplir un puzzle. Ok, je comprends. Et faire ça une fois, du coup je le fais une fois par jour, alors ça me prend à peu près 20-25 minutes. Il faudrait que je le fasse plus souvent. Doing this once a day, it's like 20 minutes once a day, is it enough or should you do more? Non? I mean, as much as he likes. You know? Autant que t'aimes. But autant not que too t'aimes much, le faire, you know? Mais pas I trop. Mean, ouais, parce que des fois ça me saoule. But for the moment, not too much, because I mean, most of the time you have to strengthen your sati. Because if your sati becomes weaker, this will not. Donc pour l'instant surtout, ouais voilà, pas plus que ça, parce que ça, cet exercice-là, il a besoin d'une bonne sati, donc faut vraiment développer sati, sinon sans sati, cet exercice n'amène pas les bons résultats. Oui, je suis d'accord. Non, quand je le fais, j'attends vraiment d'avoir vraiment un bon samadhi. Yeah, he's only doing this exercise when he has a good samadhi. Yeah. You have to remember one thing for this investigation, you know, the investigation method, you know, I told you. I cannot really give you example how to undermine it.
the answer that comes, you know, I just said, you know, I mean, what is this, what is that, or what you're talking about, you know. You have to find each one, and it depends each on your character. I mean, you have to, you know, I mean, you have to undermine the argument that comes from the kilesas within your own abilities. I mean, I can't give you, you know, I mean, just, I can only give you the hint to undermine, you know. I mean, your inner wisdom will show you how to undermine the argument. Donc Ajahn, là, dans les exemples qu'il nous disait, pour arriver à contrer les arguments des kilesas, lui, il peut juste donner, tu vois, des exemples vagues, tu vois, genre, qu'est-ce que c'est que ça, ou je te crois pas, ou qu'est-ce que ça veut dire, ou je t'écoute pas, tu vois. Mais ça, en fait, ces réponses-là, ça va être, elles vont être différentes pour chaque pratiquant, en fait. Et c'est en fonction de nous, de nos tendances, et de vraiment que ce qui peut les contrer. Là, ça va être une sorte de sagesse à l'intérieur qui va arriver à trouver les bons arguments. Mais c'est à nous de, voilà, de cultiver ça, d'arriver à voir comment arriver à vraiment contrer les arguments et à ne pas tomber dans leurs réponses et ne pas croire à leurs réponses. C'est à nous de trouver les bonnes questions. So it's up to us to find the good questions to really not believe in them and undermine their power. C'est vraiment pour diminuer leur influence et ne pas les croire. Arriver à trouver les questions pertinentes, qui sont pertinentes, mais pour nous, ça c'est personnel. Ok, donc c'est pour ça que c'est important de faire plusieurs fois l'exercice pour réévaluer les questions qui avaient déjà été posées avant, peut-être des fois pour avoir une autre réponse qui ressort. So he said, so that's why it's important to do again and again this exercise because it can bring up new answers, I mean, and new questions. I mean, the kilesas in the course of investigation, if the investigation goes like I said, I mean, the kilesas instantly come out, you know. I mean, it's new for him, so I mean, it's slowly, you know, over time. Kilesas like to convince, especially, you know, I mean, for instance, you know, I'm right, you know. I had your argument with somebody, I'm right, you know. And they instantly, no, I'm not right. And then they argue, yes, you're right, you know, because of this and this. No, I'm not right, you know. And then they argue again, you know, no, I'm not right, you know. And no, I'm not right, you know. And they argue again, no, and you just, you know, I mean, you just always hit them. Until oops, they don't know what to say. And what were you saying at the beginning? Like for him, as a beginner, the killer don't bring too much answers? I mean, they can bring a lot of answers, they cannot bring, you know, I mean, if he doesn't see the situation very clearly, you know, the closer he comes to the goal, the faster, They will come. Yeah, they will come. Donc au début, tu vois, quand tu es encore un peu nouveau dans l'exercice et tout, c'est pas forcément les kilesas, ils vont pas forcément se montrer tout le temps et t'apporter tout le temps des réponses. Mais plus tu vas continuer cet exercice, plus les situations sont claires et plus tu vas devenir expérimenté dans cet exercice-là. Et à ce moment-là, les kilesas vont venir. Donc Ajahn lui prenait un exemple de, par exemple, tu prends une situation où là, la première réponse qui vient, c'est tiens, j'avais raison. Tu fais non, là. Et alors là, tu les contres. Tu fais non, là, j'avais pas raison. Et qu'il avait fait, mais si, t'avais raison, parce que ça. Et toi, tu continues à contrer. Non, j'avais pas raison cette situation. Et ils viennent avec d'autres arguments, et ils te disent, mais si, parce qu'il y a ça. Il a fait, non, j'avais pas raison. Tu continues à maintenir ton cap, à maintenir ça, jusqu'au moment où, les Kilesa, ils partent, ils capitulent. Ok, ça marche. Capitule. Yeah. It's like the white flag. Yeah. Mais bon, parfois, ça m'arrive de me juger sur certaines situations, je me rends compte, je suis putain, merde. C'est difficile. Okay. Mm. Yeah, it is not easy. I mean, you know, you have an opponent, you know, that is stronger than anything of you. T'as un adversaire, c'est normal que ce soit difficile. T'as un adversaire qui est plus dur que. But over time, you know, I mean, you go, you know, you have never boxed, you know, I mean, you go in with the champion. I mean, he knocks you off. But through your endurance, you know, and through your perseverance, I mean, you always go back in the ring until, you know, I mean, you can punch him. Donc c'est vraiment, c'est normal, c'est parce que là, c'est comme si tu montais dans le ring et qu'en face, t'as vraiment un boxeur qui est le champion, quoi. Et donc, les premières fois, c'est normal, tu vas toujours te faire ramasser, quoi. Et donc, à chaque fois, tu rassembles ton courage, mais c'est par ton effort et ta persévérance, continuer, au bout d'un moment, tu arriveras à lui mettre quelques coups. Ok, good. Okay? Yes. So, let's go fighting.